Bon, eh bien, petit, on charge cooking sur le bord rayé. Vous m'avez demandé comment qu'on cuisait ça. Ben vite fait, on a fait ça assez simple, puis effectivement, c'est bon. Enfin, je vais vous montrer ça, bougez pas. Première affaire, j'ai fait une préparation avec un œuf et du lait que j'ai mis mon bord dedans. Puis le bord, on l'a tranché assez mince, OK, pour que ça donne ça. Après ça, là-dedans, c'est 50%, mettons une demi-tasse de chapelure, une demi-tasse de farine avec une cuillerée à soupe ou à thé, excusez, une cuillerée à thé d'aube et une cuillerée à thé de parallèle mélangée ensemble. Fait que là, tu mélanges tout ça. Fait que quand tu le sors de dans ton œuf, tu viens ben l'enrober. On pourrait le passer deux fois pour faire de quoi de plus épais, mais moi, j'aime pas ça trop épais, la chapelure. Puis après ça, vous venez mettre ça directement dans une poêle avec 50% d'huile, d'olive et du beurre. Mettons, là, tu mets, je vais vous dire ça de même, un quart de tasse d'huile d'olive, puis deux noix de beurre comme il faut. Puis après ça, ce qui est bien important, c'est de les faire bien griller, salés, puis manger ça avec une petite sauce tartare qu'on s'est faite avec, pas compliqué, mayonnaise et relish, mais l'ensemble avec du jus de citron. Puis c'est tout simple de même, pas plus compliqué que ça. Puis c'est vraiment bon. Pas surprenant que ce poisson-là soit. Il y a un goût. C'est pas comme du doré. Ça a la chair plus ferme que du doré. Mais quand même, ça a un goût pas prononcé de poisson. Fait que c'est quand même pas pire. Puis de faire ça de même, en bouchée comme ça, ben c'est bien convivial, c'est bien le fun. On va sortir ça dehors sur le barbecue. Puis on va manger ça sur la table à pique-nique, là, bien simplement, là, tantôt, là, mais que tous mes parents attendent après nous autres là, pour pouvoir manger ça. Fait que c'était un petit on jase sur la capture du bord rayé qu'on a attrapé. On y retourne à soir. Puis même que je me prépare à soir, vous irez voir une autre vidéo, là, il va suivre celui-là, sur toute la préparation. Simplement là, que j'ai fait tout de suite là, pour pêcher le bord et comment est-ce qu'on a fait ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de répondre à vous autres sur tous nos médias sociaux. Ciao!